Ma Mission TV, le miroir du monde. Malheureusement, ça a été saboté par le régime passé. Ils ont ramené ce bus. Est-ce que saboté? Mais ici, nous avons la possibilité de récupérer le fisc et le moteur pour que ce bus soit réhabilité. Malheureusement, a été volé. On a piqué tous les câbles électriques. Tout est parti. Il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ce bus. Mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités pour que ceux qui seront coupables, reconnus coupables, répondent de leurs actes devant les juridictions. Ma Mission TV. Le miroir du monde. Depuis qu'on a pris fonction, il est plus question qu'on fasse l'état des lieux. En soi, Roseau, que la société a acquis depuis près de 3 ans, dont la situation n'était pas claire. Et du coup, ce site ici, deux sites qui avaient été retenus par la GR. La réalité, c'est que ces bus, la plupart d'entre eux avaient. Le moteur, il n'y avait que de petites pièces qui manquaient. Qui, le moteur sont partis, d'autres pièces importantes sont parties. Pourtant, nous sommes dans la logique de reconstituer des bus, sinon de remonter des bus à partir de ce qui existe. Voilà pourquoi on a estimé que vous veniez voir, parce que notre vœu, c'est que l'on remette en état tous ces véhicules ici qui ont été stockés ici. Il y en a combien? Il y en a 161. Il y a deux sites comme ça. Nous sommes locataires chez un particulier. Malheureusement, ça a été saboté par le régime passé. Ils ont ramené ce bus. Le tableau de bord, il est là. Tout ça s'est arraché. C'est parti. Ça fait mal au cœur, ces choses comme ça. Ça fait mal au cœur. Et on va dire que l'État ne fait rien. Le gouvernement ne fait rien. Quand les individus se permettent des choses. Qu'est-ce qu'on a écrit? C'est également parce que saboter. Mais ici, nous avons la possibilité de récupérer le fisc et le moteur pour que ce bus soit réhabilité. Malheureusement, a été volé. On a piqué tous les câbles électriques. Un travail à faire ici pour réhabiliter ce bus. Même les sièges. Non, mais les Congolais sont méchants. Tout ça. C'est de la méchanceté. Non. À donner de l'essence. Comme ça. Ici. Même. Le papier parle. Essaye de voir ce que dit le papier. Ta fiche. Il n'y a pas de pièce, c'était radiateur. Nous avons. Le radiateur qui est là, l'essuie-glace, juste pour la partie avant. Nous avons encore des batteries qui n'étaient pas en place. Et l'alternateur plus pneus. C'est ce qui manquait. Mais le moteur devrait être là. Devrait être en place, complet.
Ne laisse pas ce papier là, prends ce papier, tu renseignes le numéro du bus, tu peux qu'on le perde. C'est que moi je vous conseille tous ces papiers là, comme on est descendu, comme les bus sont numérotés. Prenez le papier, renseignez le numéro, on doit tout emporter parce qu'on risque de revenir après ici. Dans ces bus. Et on doit rétablir les responsabilités. Fiche l'état des lieux de chaque bus. Au départ, lorsqu'on a entreposé ici, quel était le constat yes. Et maintenant, quelle est la situation Il n'y en avait pas assez. Même pour le moteur, on pourrait acheter un autre moteur. Le moteur coûte quoi? Enfin, ici, c'est presque pareil. Hein. J'avais donné des instructions la dernière fois quand je suis venu ici. Merci. Je n'ai pas Pourquoi constituer le moteur là? Prendre comme ça quand la garde présidentielle est ici. La garde républicaine. Même son moteur, tous les câbles et les bus sont abandonnés à son propre sol. Mais toutefois, nous avons la possibilité de réhabiliter ce bus sans problème. Sauf la partie qui va nous poser problème, ça sera la partie circuit électrique. Mais sinon, le moteur est là, c'est bon, c'est complet. Et dans d'autres bus, vous remarquerez qu'il n'y a même pas de radiateur. Ça a été piqué. Saboter pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus. Mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités pour que ceux qui seront coupables, reconnus coupables, répondent de leurs actes
devant les juridictions. On ne peut plus continuer à saboter l'action du gouvernement, l'action de l'État, en restant de notre côté indifférent. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'amertume que nous venons, le vice-ministre et moi-même, de constater ce gâchis. Et en suivant les orientations du chef de l'État, nous devons tout faire pour mettre tous ceux qui nuisent à l'épanouissement de la République hors d'état de nuire. Et de ce point de vue, nous n'allons pas lésiner sur les moyens. En lingala, excellence. Tautikomona, c'est le constat que le criminel est ébélé. Il y a une décision de détermination à saboter l'action et l'État. Donc, moni 161 bus, ils allaient saboter, ils allaient cannibaliser. Bah, buso et yaki, juste n'a pas né amke. Ce qui est salami, bah, bongisi et ko zongela, nanzela, pour n'a ko sali sa peuple congolais. Mais regardez, 161 bus cannibalisés, ils allaient inacceptables. Gouvernement, buso et kambami, na premier ministre Samalou Konde, toko ki ko tolérer les kamboyote. Surtout que, président de la République, il y a mon corps, si a pessibiso le tomo, tokoka, commettre hors d'état de nuire tous les faux gestionnaires, les mauvais gestionnaires au Balingi, République et Kendelibosote. Madame, en soi, nous, nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. Alors que quand on a fouillé les archives, et ils nous ont révélé qu'en son temps, le gouvernement de la République avait mis à la disposition des dirigeants de l'époque 1 million de dollars pour la réparation de ce bus ici, qu'on est venu stocker ici. Et on les a même amenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire, nous avons une autorité de tutelle. Nous l'avons appelé pour qu'il vienne voir le constat que nous avons fait et qu'il rapporte à qui de droit. Et ces deux sites appartiennent au Transco? Nous sommes locataires. On a trouvé un contrat en cours. Nous, comme on ne sait pas mettre le bus dehors, on a continué à gérer le contrat et à garder le bus. Incidemment, c'est un plaidoyer que nous faisons vis-à-vis des autorités de la République pour comprendre que si nous avons la propension, sinon l'idée d'aller nous répandre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, on a besoin d'un site qui réponde aux normes, de l'espace qui nous permette de stocker nos véhicules. Là, on ne parlons que de véhicules. Nous devons avoir un garage conséquent, un lieu d'entreposage de pièces de rechange, de lavage de bus. Donc le cadre où nous nous trouvons, c'est vraiment un cadre de fortune qui appelle l'intervention de pouvoir public pour essayer d'amener l'établissement public Transco là où le ses pères génitaires voulaient bien qu'il arrive. Voilà quoi. Merci. C'est moi qui vous remercie. On est là, oui. Makambonine ko sa e mana société batinda ki biso to kende ko sa atina na makambo maike balongola ki ba konzo bazala ki wana nde yango ba benga ki biso to kende ko sala kasi tango toye na misala toye ko sala to kuti teza na 161 bus o bande ko na biso ba ki libuso na biso ba ki kotika awa tango to koti totali yango ezaki na mindondo mingi te misusu pe ezaki ka ko tambola pi yawa kasi ko bande yawa totali ba moteur e kei biloko mingi e kei. Nzokande na tango wana ba kontina mboka ba pesaka ba bandeko wana 1 million de dollars pour na kubungisa ba biso ubui. Eza ba marque nini? Eza bus marque Mercedes, marque Transco zaki nango ya mbo ya Volvo kokoma. Mais si katokomi 1 million wana bungisaka e bungisa te toyebite. Eloko biso omoni eza te ba mituke yaki awa bo ezaki na ba pane nango ya mike mike. Kasi lelo komi moteur ezali te, tableau de bord ezali te et koma lokwa mitraille na bato mosusu. Yango wana na niveau na biso solution za akite lokwa batinda ki biso to sala na compte na l'état nde to bengi ba konzi ya l'état yo bazali na nguya ya kosala mwa makambo pe ko twa mikano ba ya kotala o biso to muni ba yebisa tata mo konzi na mboka ba yebisa tata premier ministre na yango to profiter pe to bwa ki mbele pa na ba konzi na mboka na tina te soki Transco sengele kende bisika nyonso ya RDC. Tout ça, na problème, il y a espace. Espace est coquité. Et c'est ngeri batala ndenge nini, il y a koyé sa Transco moi monene. Ceux qui ba koti à levir, ba ti levir. Ceux qui ba kosomba, ba sombi na tina te Transco za na sika ya ko bomba bis e pai na ye. Ya koti à ba garage e pai na ye na ba dépôt. Pamba te ceux qui to yaki na sika, mituko ngeri koyawate. Muhibyo ngeri ko sa malolenge sa emite. Ezayi bongo,
Moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de directeur technique, si tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps. Mais, na mikolo 40 ans, tu es un peu plus de temps. Tu es 40 bus. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un directeur technique, tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Donc les autres ont été au Kenya, on a beaucoup moins d'habits, c'est ça qui a couvert dans ma belle. Mais depuis que je suis arrivé, tout ce que ici, à cause de ça, monsieur se continue interurbain. Donc on a couru dans la montagne, on a eu mis tout quoi, ce qui va tibi sur ma boko et coutant bola, on a mis colopé à coutant dans la misère. Pour bilomber voilà si malangai. À l'occasion de votre visite d'inspection, le commandant de détachement, le commissaire principal, Benoît Moufouf, allez! À vos ordres! Mercedes qu'on avait trouvé un peu déplacé avec la direction technique et l'effort de tous les directeurs. On a eu à... Si on peut passer par l'excellence. Nous avons pu réhabiliter 43. Et parmi les 43, il y a quelques bus qui se trouvent déjà en province. Et les uns sont encore avec nous ici. Vous voyez en face de nous aussi. Ce sont des bus que nous pensons exploiter sur le tronçon UPN Marine. Et au besoin. J'ai entendu qu'il t'a embobaré. Véhicule du personnel qui était également immobilisé, notamment le. Voilà. Mais voilà, tiens, cette fois de l'hiver. Nous sommes sortis du garage. Nous sommes dans la phase de la réhabilitation. Pour exploiter ça. Oui. C'est la deuxième commande. Il n'y a que transport qui a un bus pareil pour la commande. Et c'était des passagers à gauche.
Mouloana venez. Mouloana venez. Suivi de Milo. Bongolo. 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 Chaussures de sécurité. PCR, nous sommes chez vous. Hein? Oui, merci. Si la gestion quotidienne va accompagner, vous vous encouragez. Et vous devez veiller à ce que tout. Congolo, Congolo. À 5000. Ça c'est Milo. 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 Ouais. Ah, d'accord. Ça va. Okay, ça passe. Ça va. Avancez moi. Congo avancé. Muteba. De l'autre pays, il n'a pas de télé. Même comme tous ceux qui sont au Salamalam, il y a un diplôme de mérite. 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 Il y a un diplôme et kende liboso bosaka na kisasate vocation ya transco ya liko kende république mobima mingi pe bosa awa bosa makasi bosa pe ba instructeur bo kende ko laksa batum susu musala ya transco même na intérieur ambuka. Vous devez être ambitieux le ko la gouvernement na bino zali ya bawaria. Oui, bawaria bi la ksini. Oui, guerrier. La guerrier bilo pe sengeli bosa bitum. Oui, pardon. Il faut trouver un habit. Mabi. Mabi. Mabi avancé. Louembo avancé. C'est 5 chefs. C'est pour eux et pour eux, ça les enfants dans la communauté. La commune va nous sensibiliser, nous sommes sur nous. Pour eux, ils disent que nous sommes 361. Pour eux, ils disent que nous sommes en route. Et occupent la malade. Pour eux, nous sommes en route. Pour eux, ils disent que Ma mission TV, le miroir du monde.